Allez, on go. IndyCar, où ça? À Monza. Bon, ça va être un truc de cochon, ça. Ah oui, et je pense pas qu'on ira au Ils bout. Ils sont beaucoup, tu m'as dit. Ouais, là, hop. Bon, retour à Monza dans les courses en ligne, mais avec l'IndyCar. Que Max n'a pas encore testé. Non, mais c'est quoi ces pseudos Eugène, là? T'es sûr que c'est des vrais pseudos, c'est pas des bots? Parce que sincèrement, ça fait Attends. Bizarre. Allez, chercher l'IndyCar, oui, évidemment, ils l'ont mis en Dallara. Ah, respect au châssis. Alors, effectivement, alors par contre, on doit, voilà, à la Project Car, on a droit à des châssis. Enfin, des couleurs de livrée dégueulasses. Ah, ils ont même tenté une livrée un peu Cadillac, ça c'est pas mal, je vais la prendre. Tiens. Don't oser. Hop. Allez, rentrons. Non, mais quand tu vois l'IndyCar et tu te dis qu'il n'y a pas Mid-Ohio, il n'y a pas. Enfin, il y a. Enfin, bon, bref. Non, stop, on arrête. Indianapolis était tellement beau pendant le développement, mais on arrête. Ah oui, 200 newtons l'anti-roulé à l'arrière. Ah oui, ça déconne pas, dis-moi. Tant que t'enregistres, hein, moi je le dis publiquement. SMS se fout de votre gueule. Parce que là, cette jolie IndyCar version ovale existe, elle est déjà prête depuis au moins 6 mois. Les ovales sont aussi tous prêts depuis au moins 6 mois. Donc ce qu'ils attendent, on ne sait pas. Alors, t'as changé un truc sur le setup? Beaucoup, mais est-ce que ça sera vraiment utile? Ok, bon, ouais, j'y vais comme ça. De toute façon, moi en monoplace... J'ai même pas paramétré le kers, pour te dire. Ah, il y a un kers sur... D'accord. Ah, j'ai un instant cru qu'il y avait une chicane en S, plutôt que la première vraie chicane, mais bon, c'est pas grave. Ah, il y en a qui ont du mal de trouver la solution à la première chicane, déjà, ça part bien. Par contre, elle fait un beau bruit, hein. Par contre... Ça a l'air d'envoyer sévère. Ah oui, quand même. Et ça freine bien, hein. Pourtant c'est de l'Indy. Hein. Ah, la... ça freine très très fort. Elle me paraît comme ça de prime abord bien plus sympa que toutes ces formulas de merde qu'on a eu depuis le début. Elle a l'air moins prise de tête que la formule Renault surtout. Bah pour que je m'amuse en monoplace, c'est vraiment que. Tain, heureusement que j'enregistre parce qu'on n'aurait pas cru quoi. Ouais, non, mais là, celle-là, elle était... D'ailleurs, j'attends de pied ferme la Tatus F4 sur Resto. Oui, tellement. T'as senti, là, l'envie chez vous? Oui, tout à fait. 5 minutes 40 de qualif et on est parti avec 66 litres et pas de kers. On va faire un gros résultat. J'ai le volant qui vibre en ligne droite, c'est intolérable. Perso, ça va. Ah non, moi ça l'a toujours fait sur les... Merde. Ah, sur les monoplaces de Pécard. Mais je peux freiner à 30 mètres. Comment est-ce possible? Dans les lois de la physique du sport automobile, comment on peut freiner à 30 mètres avec cette voiture? Ouais, non mais on a des freins en acier et on freine... C'est ça, quoi. C'est pas des freins carbone, on n'est pas en Formule 1. Non. Et je freine quasiment mieux que la... Bon, je freine autant qu'une Formule AB sur les carbones. Là, c'est... Ouais, regardez ça. Bon, je bloque les roues parce que moi, je suis mauvais, mais sinon... Bah, y a pire, hein. Mais... Ah bah tiens, au moment où tu dis blocage de roues, j'avais le faire proprement. Hein. Tu passes ou... Oh là, y a des connexions, elles sont pires quand même. Hein. L'Ethiopie représente... Wow. Je pense que pour s'en sortir, il faudrait au moins faire un top 5. Mais je freine comme si j'étais en Formule B, quoi. C'est fou. C'est ça. Mais pied dedans, hein. Ça ne bouge pas. J'améliore de 8 secondes le deuxième secteur. Gros progrès. Mettre dehors par la connexion de machin là. Bah, t'as le temps, il reste 3 minutes 50 et on est à Monza, t'as au moins 2 tours. Hein. Ouais,
Le tour il est en 1.40. Si je le rattrape devant moi, je le rattrape à chaque fois. J'ai pas mis de bouton pour le Kers. Moi non plus. Par contre, la sixième vitesse ne sert à rien, je suis en fond de 5 mon ligne droite. Oui, je confirme aussi que... Ah non, freiner trop tard. Et c'est donc terminé. Bon, moi je vais arrêter là. Bah non, j'aurais sûrement pas le temps, j'ai passé la ligne à 1.35 de la fin, donc je pense que j'aurai pas le temps. Ah ouais, là ça risque d'être chaud. Ça va être très très chaud. Après on te sait un homme de challenge, donc voilà. C'est vrai. Il a même pas dit non, c'est vrai. En même temps, je suis sur Monza en IndyCar avec toi, si ça c'est pas du challenge déjà. Et en ligne. Ouais. Et je pense que t'es même en train d'améliorer. Oh, 47 secondes. Est-ce qu'il va réussir à le rentrer, je sais pas. Faudrait que t'améliores de 5 secondes par secteur. Au moins. Je m'arrache. Hein. 40 degrés. J'améliore de 8 secondes quasiment. Et on va être 15, hein. C'est avec pour l'instant je suis pas mal, je suis dans les temps. Pour 8 secondes tu peux les mettre hein. Ouais. Oh. 10 secondes au chrono. Est-ce qu'il va le faire? Je suis en train de tout donner là. Allez. Ça va pas le faire. Alors il va me manquer. Oui, oui, il a rentré 5ème chrono. Oh les hold up. Oh là là, il a rentré le 1.34.6. Oh là là, la surprise en qualification. L'organisation est en PLS. Magnifique. Un pilote de GT qui arrive et qui met un top 5. Formidable. Et moi, je suis 9ème, c'est une catastrophe. Bref. Tu n'as pas presque m'appeler pilote de Turing Car. Oh là là, c'est beau. Est-ce que tu pars à l'extérieur ou pas? Ouais, je confirme. Eh, bonne merde. Green. Go, go, go. Pardon, je passe, pardon. Ah, j'ai fait Moïse, quoi, j'ai ouvert le bouton de moi. Oh. L'autre, il a ouvert le peloton. Et ça ne passera pas. Oh si, voilà, ça passe. Je avec une super finalité. Allez, salut les nuls. On se revoit plus tard, je suis P2, salut. Allez, je me fais vite. Eh, comme quoi. Y'a qu'à Monaco que la qualification, c'est 50% du boulot. Ouais, c'est clair. Non, me bourre pas. Oh là là. Je me retrouve P11, quoi. Je me suis... Oh là là, oh là là, les garçons sont pas bien devant. Oh là là, oh là là. Allez, les pénalités. Salut, à plus. Deuxième chicane. Nous sommes en tête. Mais pas pour longtemps, je me fais mettre dehors. Ah là là, c'est dommage. J'allais dire, attends, si ça c'est pas un hold-up. Ah non, c'est pas un hold-up, non. Ou alors c'est moi qui me fais braquer, mais... Ah là là, je retombe dans le classement. Ça a été de courte durée cette joie. Oh là là, ils sont mal. Oh, ils sont mal les types devant. Oh là là, mon dieu. Putain, mais ils freinent à 4 de front, les mecs. Ça ne passera pas. En 100 ans de sport auto, c'est jamais passé. Vous allez pas changer la donne, les mecs. Oh. Me dis pas que c'est toi. Non, ça va. Quoi? Non, mais j'arrive juste derrière. Si c'est toi qui est en train de te battre avec un mec. Ouais, ouais. Là, le mec qui fait le signalement, c'est moi. C'est moi qui arrive. Vas-y, fais l'intérieur. Oh là là. Et j'étais... Ah, j'arrive trop vite. Ah oui, mais comme Monza n'est plus un circuit d'homme, tu peux revenir. Il n'y a plus de gravier. C'est vrai. Ah, il y a une voiture qui a stoppé sur la grille. C'est classique. Et là, on oublie le Kers qui me fait tellement défaut. Et là, j'ai pas de Kers, mais la sixième est tellement longue que... Oh là là. Alors, l'autre, il me résiste à l'extérieur, là, je rêve. Fumier. Oh, gros fumier. Ah. Casse-toi, je te vois arriver. Attention, je prends l'extérieur, laisse-moi la place. Hein. Que dalle, que dalle. Oh mais l'accélération que t'as, mon cochon, c'est pas possible. Eh, t'as vu ça? T'as vu ça ou pas? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh le train avant. Oh bah pareil. Ouah, j'ai un peu bloqué. Ah mais y'a Toto avec nous.
foutre mais devant. Est-ce qu'on peut éviter de m'en foutre dans le gravier à chaque passage de l'ESMO? Merci. Cordialement, la direction. Enfin, la direction de ma voiture. Ah, mais je suis P9. Non! Non! Oui! Ah, non! Ah, j'étais P1! Je me la suis pété. Et voilà, P9. P10, même. En même temps, les mecs, s'ils savaient seulement freiner au bon virage, au bon panneau aussi. Alors que devant, ça sort tout seul comme un grand. Ne fais pas ce que je pense que tu vas faire, toi. Mais comment? Mais le Kers! Il me faut un Kers! Alors que c'est un peu... C'est un Independence Day maintenant. T'as vu le ciel ou quoi? Il va faire rouge bientôt. Ah, c'était moche, mais c'est passé. Ah, les mecs ils freinent, mais ils foutent trop tôt, quoi. Ah, je t'avoue que moi je suis perdu, hein, avec le temps de freinage de celle-ci là. Je freine aussi beaucoup trop tôt. L'habitude de la monoplace et de la F1 à Monza, entre autres. Bah, trop tôt, et maintenant qu'ils m'ont vu faire, ils freinent trop tard. Super, allez. Oui, plantez-vous, j'arrive. Oh là là, mais les mecs sortent tout seuls. Il va me la remettre. Sûr et certain qu'il va me la remettre. Voilà. Ah, t'aimes bien. Oh, mais calme-toi, toi. Mais je peux faire autre chose que réaccélérer sur les vibreurs et perdre avec le fond plat. En fait, la Formule 1 ressemble tellement plus à la Formule 1 que t'aimes même plus déséquilibrer avec un fond plat sur un vibreur. C'est ça. Et là, tu retrouves une vraie monoplace et tu te dis, ah ouais. Ah, on a notre Formule 1 avec les Vigard. Hein. Ah, ben là, oui. Oh, mais c'est une blague, il s'infiltre à l'intérieur. Oh là là là. Ah, visiblement, il y en a qui sont motivés. Mais il va faire nuit dans une droite de retour. Qu'est-ce qui se passe ici? Que fait Dieu avec l'horloge du temps, là? Bah oui, mon gars, bah oui, il va dans l'herbe, quoi. Ah, il y a de l'insulte en allemand dans le chat. Ouais, mais je pense que ça va être pour moi, je pense, parce que je sais. Ah là, je me suis fait couvert. Contre Verdeux, Guillaume. Il faudra qu'ils me disent où ils trouvent le temps d'écrire, quoi. Tu m'étonnes qu'ils pilotent mal. Non, mais c'est des binds, hein. C'est Max. C'est des messages pré-écrits. Ah, pardon. Putain, mais salon. Ah, je vois un point blanc arrêté à la chicane, j'ai un doute. On va repartir. Allez, encore en tête à queue, tout seul. Allez, merci, salut. Et on est P11, la remontée, incroyable. Non. Sérieux, t'es P11? Non, non, je suis P8. C'est pareil, là. Heureusement qu'il n'y a que 6 tours, hein, parce que je me suis vu mourir plusieurs fois ici. Pareil. Nombre de fois, je me suis fait mettre dehors. Et Pastor Maldonado est vraiment recruté dans les IndyCar ou quoi, là? Parce que, sérieux, là. Ah, et le jour où Pastor signe en IndyCar... Non, non, c'est bon, ils ont pris Rossi à la place, ça va. Oh, tu sais, Stevens, il va rouler en endurance, hein. Chez Manor, donc voilà, en termes de carrière très courte. Non, mais me bourre pas! Oh là là! Mais il va me toucher, mais dans la ligne droite, quoi! Mais please! Le jardin d'enfants, quoi! Il y en a pas un qui sait se tenir! Ouais. Oh là là! Voiture lente devant! Non, c'est moi, c'est pas une voiture lente. Oh là là! Mais deux mecs dehors volontairement pour les dépasser, quoi! Mais c'est honteux, quoi. Oh, l'autre, il m'a mais shooté. Il m'a vu arriver dans le rétro pour le dépasser à l'intérieur. Il a mis un gros coup de volant. Non, mais il y a des museaux et des ailerons arrière. Comment vous faites pour continuer devant? Sérieux, quoi.
Oh, la voiture, elle est rectifiée, moi. C'est toi qui va passer devant moi, je vais avoir rien à foutre, je coupe la piste. Wow, tous maintenant. Il est fou. Merde, tous maintenant, j'en ai marre. Ah, j'en ai vraiment mis marre. Non. Non. Il me pousse. Oh, non, mais t'avances pas. J'avais même pas vu que c'était toi, quoi. Mais c'est peut-être parce que là, ta voiture, mais t'es une lenteur. Mais j'ai pas le KERS, je peux rien faire. Mais t'as cru que je l'avais? Non, non, mais j'ai même pas changé les setups. Je pense que je me suis tellement fait... Je me suis tellement fait bouger dans tous les sens. Ah, alors que le soleil arrive. Formidable. Ouais, le changement de météo est assez... Ouais, c'est chaud, hein, quand même, là. C'est vrai qu'elle est lente. Ah, je fume blanc. Oh, ça sent la fin. Oh, le devant de la voiture. Ah oui, j'ai plus d'aileron, j'ai plus rien sur la voiture. T'as refait la réglementation à toi tout seul. Ah oui, oui, mais j'ai plus rien en fait sur la voiture. Oh là là, les attentats que je vois au freinage, sérieux. Je fais des attentats. Ah, ce qui est bien, c'est que dans le dernier tour, je suis 19ème, je peux encore faire P2 tellement vous êtes bourrin devant. Ah, là, elle doit tourner, voilà. Là, j'ai compris comment elle fonctionnait dans le dernier tour, c'est bien. Ah, c'était peut-être temps, en fait. Mais cette fumée... Cette fumée dans le rétroviseur. Oh, j'ai tapé le fou plat là. Je pense qu'aujourd'hui l'important c'était de ramener un top 10. Sur 10, il dit. Non, c'est un objectif, je trouve, logique. Ah, il y a un demi-châssis dans la parabolique, on fait quoi là? C'est ça! Go le doc! Oui, Toto, évidemment. Eh bien, c'était bien catastrophique. Il y a des morceaux partout sur la piste, et la voiture elle est coupée en deux, il manque le capot, le devant, le... il manque tout sur la voiture. Moi, en fait, c'était ça pour aller vite, fallait plus d'aileron. C'était ça, ouais, fallait tout débarrasser, ouais, fallait tout enlever. Ah, on apprécie le setup. J'ai la voiture, elle est découpée. Non mais les mecs, déjà tu décales visiblement à l'intérieur, ils viennent te mettre un gros coup quoi, c'est... Non mais... Sérieux. Ça fait beaucoup de déceptions ces dernières courses en ligne quand même. C'est... Y a... Ouais. Il ne dit rien, c'est mieux. Ouais. J'ai fait quelques photos quand même de ma voiture, c'est vraiment très rigolo. Ah, tu me les enverras, je les rajouterai au montage pour que vous puissiez voir l'état de la voiture de Max. C'est impressionnant, ouais. Et Toto qui finit pile devant moi du coup, ouais. Il a eu chaud. Effectivement, et qui fait un podium, lui. Alors que moi j'étais en tête au deuxième virage, on le rappelle. Ouais, bah je m'en sors bien, hein, P4 à la qualif, P4 à la fin. Alors que j'étais P8 à un tour de la fin. Ça va. Bon bah écoutez, on va se laisser ici pour cette course en ligne qui était... Original, on va dire ça comme ça. Désastreuse. Oui, j'osais pas le dire, mais voilà. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle course en mine. Bonne course en mine. C'était un peu ça, oui. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle course en ligne, les amis. Bon amusement piste et à la prochaine. Ciao.